Bonsoir à tous. Donc, on commence une série simple qui concerne les orifices ajoutage et déversoir. Donc, on a vu la théorie des orifices ajoutage et aussi la théorie des déversoirs. On va commencer par le premier exercice qui est un exercice d'application. Donc, avant d'entamer les exercices, il faut vous rappeler que la méthodologie de résolution des exercices est beaucoup plus importante que la théorie elle-même. Il faut toujours adopter une méthodologie qui est une méthodologie avérée qui peut nous donner des résultats probants. Donc la méthodologie, c'est quoi? Il faut toujours souligner les données ou écrire les données. Ensuite, il faut toujours comprendre exactement ce qu'on nous demande. Ensuite, on va relier les données aux choses demandées par la formulation. La formulation, c'est elle qui va relier les deux. Commençons par l'exercice 1, où un orifice de diamètre 4 cm, coefficient de débit 0,6, coefficient de vitesse 0,98, est situé sous 10 mètres de charge. On veut déterminer la vitesse réelle de l'écoulement ainsi que le débit réel. Donc, on va commencer par le calcul simple de la vitesse théorique à travers l'équation de Torricelli. Vitesse théorique, c'est racine de 2g, h. H, c'est la charge. Donc, on remplace, on trouve une vitesse théorique de 14 mètres par seconde. Donc, si on veut déterminer la vitesse réelle, on n'a qu'à multiplier la vitesse théorique par le coefficient de débit, qui est de 0,98. On aura une vitesse réelle de 13,112. Donc, calcul du débit réel. Calcul du débit réel, QR est égal au coefficient de débit fois le débit théorique de même. Et le débit théorique, c'est quoi? C'est la vitesse théorique fois section. Section théorique aussi, qui est la section de l'orifice. On remplace, on trouve un débit théorique de 17,59. Qu'est-ce que ça veut dire un débit théorique? Un débit théorique, c'est un débit si, dans le cas où la perte de charge est nulle et la contraction n'existe pas. C'est quoi la contraction? C'est la diminution de la section de la veine liquide qui sort de l'orifice. Si on suppose que la veine liquide sort avec le même diamètre que l'orifice, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contraction. Donc, si pas de contraction, pas de perte de charge, ça veut dire que le débit est réel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on corrige toujours par une coefficient de débit. Donc, coefficient de débit fois débit théorique est égal le débit réel qui est de 10,55. Le deuxième exercice, ça concerne les jets. Donc, les jets hydrauliques, c'est la même théorie, c'est le même procédé que les projectiles. Donc, vous vous rappelez, les projectiles, on a un mouvement horizontal, un mouvement vertical. Ensuite, on fait le calcul qu'on veut. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer coefficient de vitesse, coefficient de contraction, si coefficient de débit est égal à 0,6. Donc, on nous donne un point du G, ça veut dire un point qui satisfait l'équation géométrique du G. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer l'équation géométrique du G. Donc, bien sûr, si on suppose que les pertes de charge sont, pardon, frottement de l'air est négligeable, donc l'écoulement où le mouvement horizontal c'est un mouvement uniforme, le mouvement vertical c'est un mouvement uniformément, c'est un mouvement accéléré. Donc, premier x est égal vt uniforme, 1 demi jt au carré non uniforme mais accéléré, avec une accélération est égal à l'accélération de la gravité. Donc, si on remplace t par x sur v, donc on obtient l'équation y est égale à 1 demi g x au carré par v au carré qui est l'équation géométrique du g. Donc connaissant x et y, on remplace, on peut déterminer la vitesse réelle, v. Donc on peut déduire v est égal à 1,37. Et puisque on peut calculer la vitesse théorique qui est racine de 2gh, on obtient 1,4. On a la vitesse réelle, la vitesse théorique. Le coefficient de vitesse, c'est quoi? C'est le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse théorique. 1,37 sur 1,4, on trouve un coefficient de débit égal à 0,979.
Donc, puisque le coefficient de débit est égal au coefficient de vitesse fois coefficient de contraction, donc coefficient de contraction est égal au coefficient de débit divisé par le coefficient de vitesse. Et ça donne un coefficient de contraction est égal à 0,612. Donc, on voit que c'est une application qui est assez simple. Maintenant, on a le cas des réservoirs ayant deux orifices identiques. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Ça veut dire qu'ils ont le même diamètre et les mêmes coefficients hydrauliques. Ça veut dire même coefficient de débit, même coefficient de vitesse et même coefficient de contraction. Les deux sont sous décharge, ça veut dire la hauteur d'eau au-dessus du premier réservoir orifice est de 3, au-dessus du deuxième orifice, elle est de 5. Donc, on peut pointer, si on peut dire, ou fixer le repère au niveau du deuxième orifice. Donc, Y1 est égal à Y2 plus 2. Bien sûr, l'axe des ordonnées dirige vers le bas, puisque ici, on n'a pas de signe moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme l'exercice précédent, on va déduire l'expression de la trajectoire, qui est égal à y est égal à 1 demi g x au carré sur v au carré. Ça veut dire v qui est égal à v réel est égal à racine carrée de g x au carré sur 2y. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin du point d'intersection? Ça veut dire le point où les deux trajectoires, les deux g, se croisent. Puisque c'est les orifices, c'est des orifices identiques, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coefficients hydrauliques. Principalement coefficient de vitesse. Ça veut dire que c'est quoi le coefficient de vitesse? C'est la vitesse réelle divisée par la vitesse théorique, l'équation de Torricelli. Donc, si on simplifie, on obtient que le coefficient de vitesse est égal à x sur 4yh. Puisque c'est le même coefficient de vitesse des deux, ça veut dire x, bien sûr, c'est le même x. Pourquoi c'est le même x? Parce que c'est le même repère des abscisses. Mais ce n'est pas le même repère des ordonnées. C'est pour ça qu'on a mis y1, y2. Soit y1 fois h1 est égal à y2, h2. Ou, on va simplifier encore plus, 3y1 est égal à 5y2. En remplaçant avec la formule 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que y2 est égal à 3 mètres, y1 est égal à 5 mètres. Si on a y1, y2, on remplace dans l'expression par là, on trouve la valeur de x. X est égal à 7,436 mètres. Ça veut dire que les deux g vont se croiser à une distance de 7,436 mètres à partir de l'orifice. Bien sûr, une distance horizontale, à partir de la paroi du réservoir où se trouvent les orifices. Maintenant, l'exercice numéro 4. Maintenant, on a un réservoir qui est fermé, un réservoir totalement fermé. Si le réservoir est fermé, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la pression au niveau de la surface est égale. On ne peut pas prendre. On a une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique au-dessus de la surface. Donc la pression manométrique au-dessus de la surface, c'est de l'air comprimé, est à une pression de 0,8 bar. Qu'est-ce que ça veut dire 0,8 bar? Ça veut dire l'orifice a une charge de 1,5 m de liquide réel au-dessus de l'orifice et il a une charge équivalente en pression est égale à 0,8 bar, ça veut dire 8 mètres colonnes d'eau. 0,8 bar est égal à 8 mètres colonnes d'eau parce que 1 bar équivaut à 10 mètres. Donc on peut ne pas faire l'équation de Bernoulli entre la surface libre et la sortie de l'orifice comme on peut la faire. Ça va donner la même chose. Donc la vitesse est égale à 2g fois la charge au-dessus de l'orifice. La charge au-dessus de l'orifice, c'est quoi? C'est la hauteur réelle de l'eau au-dessus de l'orifice plus la hauteur représentative de la pression qui est égale à 8. Donc, 8 plus 1,5 est égal à 9,5 est égal. Donc, la vitesse 2 à la sortie est égale à 13,65. Ça, c'est une vitesse théorique. Si on veut déterminer le débit,
le débit réel est égal à la coefficient de débit fois le débit théorique qui est vitesse théorique fois la section de l'orifice. Donc, on fait l'application, on trouve un débit de 64,3 litres par seconde. Voyez donc une simple application de l'équation de Bernoulli. On peut même ne pas utiliser l'équation de Bernoulli et aller directement vers l'équation Torricelli pour déterminer la vitesse théorique, ensuite le débit réel. Donc l'astuce c'est chaque fois il faut, comme je vous ai dit, suivre une méthodologie correcte de résolution des exercices. L'exercice numéro 5, déterminer le débit qui s'écoule à travers un orifice noyé. Qu'est-ce que ça veut dire un orifice noyé? Ça veut dire la sortie de l'orifice, elle est au-dessous de la surface de l'eau. Ça veut dire qu'il est totalement noyé. L'orifice se trouve totalement des deux côtés, à moins avant, au-dessous de la surface de l'eau. Donc, ça c'est un orifice large de 2 mètres de largeur, 1 mètre de hauteur. Donc ici, donc il n'y a pas grand-chose à faire, sauf d'appliquer l'équation qu'on a vue au cours, qu'on a démontré au cours. Le débit est égal à coefficient de débit fois BH2-H1. C'est quoi B fois H2-H1? C'est la surface. Donc, coefficient de débit fois la surface fois racine de 2GH. C'est l'équation d'écoulement. Elle ressemble à l'équation d'écoulement à travers un orifice. On applique, on trouve 9,513 mètres cubes par seconde. Donc, c'est hyper simple. Maintenant, on va passer quelque chose qui est très, très utilisé dans les orifices, c'est les vidanges. Donc, les orifices sont souvent utilisés pour vidanger les réservoirs, orifices ou ajoutages. Donc, on a un réservoir cylindrique de 4 mètres de diamètre, contient une hauteur d'eau de 1,5 mètre. 4 mètres de diamètre contient une hauteur d'eau de 1,5 mètre. Déterminer le temps, bon, bien sûr, c'est pas écrit que le réservoir est disposé verticalement. Déterminer le temps nécessaire pour que le niveau baisse de 0,5 mètre et de vidange total. On donne le diamètre de l'orifice 5 cm et le coefficient de débit de l'orifice 0,6. Donc, le temps de vidange total. Soit on fait l'approche qu'on a fait au cours, ça veut dire toujours on utilise l'intégrale. Parmi ces approches, on a dit que si le réservoir était un réservoir qui a la même section du plan d'eau qui ne change pas, ça veut dire que c'est un réservoir prismatique, donc on peut dire que le temps de vidange total est égal à deux fois le volume du réservoir divisé par le débit à l'instant 0. Donc, le réservoir cylindrique, on peut déterminer son volume sans souci. Le débit à l'instant 0, on applique l'équation de l'écoulement à travers les orifices, CDS racine de GH. On trouve 6,39 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Donc, le temps de vidange total est deux fois le volume divisé par quoi? Divisé par le débit à l'instant 0. Divisé par le débit à l'instant 0, on trouve 5899,7 secondes. Donc ici, vous voyez, ça passe pas le même temps. Donc il faut toujours vérifier, l'erreur est toujours une erreur humaine. Ici dans la réponse, on a mis 2200, mais le résultat réel, c'est 5899,7 secondes. Maintenant, si pour que le débit diminue de 0,5, ça veut dire la hauteur va diminuer de 1,5 jusqu'à 1. Donc on peut utiliser plusieurs approches utilisées par des équations utilisées dans le cours. Parmi ces équations, qu'est-ce qu'on a? Racine H2 sur H1 est égal à 1 moins T sur grand T. T, c'est le temps de vidange partiel. Et on peut aussi, comme je répète toujours, utiliser la formule qu'on a vue, qui est de DT est égal à l'intégrale de quoi?
de SHDH divisé par Q. C'est ça l'intégrale qu'il faut se baser. Donc, toutes ces équations, simples, donc on a déterminé le temps partiel qui est de 1082 secondes. Bon, donc, essayez d'adopter l'approche qu'on a fait au cours et vous allez trouver les mêmes résultats. Maintenant, l'exercice numéro 7. Un réservoir cylindrique de 2 mètres de diamètre, 5 mètres de longueur, est disposé maintenant horizontalement et pas verticalement, horizontalement. Un orifice de 10 cm de diamètre est disposé au fond. Si le réservoir est mi-rempli, la moitié, détermine le temps de vidange. Donc, le temps de vidange, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale, comme on a fait. Mais l'astuce ici, c'est de quoi? C'est d'exprimer. Je vais vous montrer. Donc, comment on va faire pour intégrer par H? On a l'expression générale de l'intégrale du temps de vidange. Dt est égal à SH, qui est la surface du plan d'eau, dH, divisé par Q. Q c'est quoi? C'est CD, S orifice, ça veut dire section d'orifice, racine de GH. Donc on peut faire monter, on peut faire monter la racine de H au. Maintenant, l'astuce c'est quoi? L'astuce c'est d'exprimer SH en fonction de H, afin de réduire cette intégrale ou cette dérivée à une dérivée par rapport à H seulement. Donc, SH c'est quoi? C'est la surface du plan d'eau. Si on va appeler ça X et ça X, ça devient 2X fois L. L c'est la longueur du cylindre, donc 2XL. Maintenant, le X, on peut l'exprimer en fonction de Pythagore. Ici, on sait que x au carré plus cette entité. C'est quoi cette entité? C'est la profondeur, c'est le rayon moins la profondeur de l'écoulement. Le rayon moins la charge d'eau. Ça veut dire R moins H. Donc, x au carré plus R moins H au carré est égal à R au carré. Donc, le x est égal à quoi? Le x est égal à quoi? C'est égal à r au carré moins r moins h, mais tout au carré. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses, bien sûr. Comme ça, on va mettre les parenthèses. Comme ça, on va dire 2l fois ça. Ça, ça devient 2x, et ça c'est x, donc c'est 2l fois ça. Donc, si on remplace sh ici, on va trouver dt en fonction de h, seulement en fonction de h. Donc, on va intégrer h en fonction, suivant les bornes d'intégration qu'on veut. Les bornes d'intégration, c'est quoi? C'est le premier niveau, deuxième niveau. Premier niveau, deuxième niveau. Donc, à vrai dire, ici, c'est pas plus, c'est moins. Pourquoi c'est moins? Parce que le niveau diminue. Si le niveau diminue, donc, la dérivée de H est négative, donc il faut ajouter un signe moins ici pour que ça devienne un temps positif. Donc, on remplace ça ici, on va faire l'intégrale. Qu'est-ce qu'on va trouver en intégrale? Ça, c'est le résultat de l'intégrale. C'est la fonction d'intégrale, fonction H1, premier niveau, H2, deuxième niveau, qui est nul. Donc, si on remplace H1 par le rayon qui est 2, c'est le diamètre qui est 2, le rayon qui est 1,